Pour la réhabilitation de son pavillon principal en état de dégradation très avancé, l'hôpital psychiatrique de Benjeville vient de recevoir de la structure Réseau Vainqueur un important don de matériel de construction à Boussanogo. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, a dit Raoul Folero. Faisant sienne cette citation, le Réseau Vainqueur organise chaque année des remises de dons de portée sociale aux structures publiques et privées de Côte d'Ivoire. Cette année, c'est l'hôpital psychiatrique de Benjeville qui a reçu le Réseau Vainqueur les mains chargées de ciment, gravier, sable, fer et un chèque, le tout destiné à la réhabilitation du pavillon principal de l'établissement devenu inopérationnel depuis quelques années. D'un montant de 3 600 000 francs CFA, ce matériel a été livré aux responsables de l'hôpital qui avait à leur côté le sous-préfet de Benjeville. Donc notre devoir, c'est d'abord de pouvoir permettre à l'État de pouvoir avoir déjà ce bâtiment. Mais en même temps, c'est un appel qu'on fait. On lance à tous les opérateurs économiques, tous ceux qui manipulent ne serait-ce qu'un temps soit peu de l'argent, de savoir qu'être heureux, c'est d'abord permettre aux autres d'être heureux. Le vrai bonheur, c'est celui qu'on peut partager, c'est celui qu'on sait partager. Alors nous le faisons, beaucoup de personnes nous emboîteront le pas. L'hôpital a besoin encore de beaucoup de personnes pour apporter leur pierre à l'édifice. On les attend. Une visite des locaux à réhabiliter a permis aux membres du Réseau Vainqueur de mesurer l'ampleur des travaux à effectuer. Au nom de l'établissement, le directeur de l'hôpital psychiatrique de Benjeville s'est réjoui de ce geste inattendu et s'est engagé à en faire bon usage.